Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur une autre application que je viens de télécharger, Fishtopia. Alors je sais absolument pas ce que c'est que cette application, je vais la mettre sur mon téléphone, je vais la découvrir en vidéo. Alors bienvenue à Fishtopia, voici... Ouh là là, ça va très vite. Fusionner les poissons pour débloquer de nouveaux poissons. Alors qu'est-ce que c'est que c'est un jeu? Ok, il faut fusionner des poissons, ça c'est marrant ça, et je gagne un deuxième qui c'est niveau 2. Ok, appuyez pour accélérer. Ok, la poissonnerie est désormais ouverte. Avoir un chèque. Ah, ok. Cliquez pour entrer dans la boutique. On rentre dans la boutique. Alors, je pense... Et on peut acheter ensuite en poisson clown. Ok, et j'ai un poisson supplémentaire. Ok, donc là, je vais les fusionner. Et après, je fusionne. D'accord, et j'obtiens un poisson de niveau 3. Bien joué, voici un joli cadeau pour vous. Qu'est-ce que c'est? Il y a une récompense qu'on va récupérer. Collecter un niveau... Collecter 3 poissons, non, niveau 1, récompense 352. Et hop, j'ai une récompense. Alors là, par contre. Ah, puis je gagne comme ça des pièces. Ok, donc là, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'achète un autre poisson. Ah, ok, au bout d'un certain temps, on peut transformer les poissons. Donc là, j'en mets un là. Faut que j'attende pour qu'il y ait... ou sinon je les achète. Vous voyez ici, il y a une jauge. En fait, au bout d'un certain temps, on peut créer des poissons. Donc, il se crée tout seul. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Et comme ça, je peux valider. Je gagne une pieuvre niveau 4. Ok. Alors, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ici, on a récompense dépouiller les poissons. Ah oui, à chaque fois, en fait, qu'on a réalisé des objectifs, on peut récupérer des récompenses. Donc hop, c'est pas mal. Genre, je suis quasiment à un bon nombre de pièces, 5000 pièces. Et là, c'est quoi ça? Connexion quotidienne, récompense 220. Donc ok, je récupère. Ok. Bon, bah, c'est un jeu assez sympa. Il y a des bonus en bas. On va essayer de voir si je peux avancer. Déverrouiller un nouvel étang. Ok, je déverrouille un nouvel étang. Alors c'est un jeu, hein, Fishtopia, c'est pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose à gagner, qu'il y ait de l'argent à gagner ou quoi que ce soit, les amis. Hein. Ça, après on peut débloquer des objectifs là, hop, si je fais ça. Il faut voir une pub et j'achète un étang. D'accord, après j'aurai plus d'étang pour jouer. Donc effectivement, après je peux acheter des poissons, comme vous pouvez le voir. Ici, ça coûtera 600 pièces. Et dans la boutique, qu'est-ce que j'ai dans la boutique? Acheter un poisson clown, c'est 600 pièces, voilà. Sinon, faut que j'attende que les poissons se créent. Vous voyez, hop, hop, et là, je vais pouvoir valider et gagner l'étoile de mer niveau 5. Et on progresse comme ça dans le jeu, les amis. Bon, bah écoutez, c'est plutôt amusant, c'est plutôt sympathique. Là, c'est quoi le prochain objectif? Regarder 5 vidéos et je peux aussi débloquer des choses. Voilà, donc après, il y a quand même pas mal d'objectifs, les amis. Il y a énormément d'objectifs. Alors ça peut être sympa. C'est vrai que là, par exemple, j'achète un poisson pour aller plus vite. Je vais faire comme ça. Hop. C'est quoi cette option-là? Vos poissons seront automatiquement fusionnés après avoir regardé la vidéo. Ça va durer 3 minutes. Ah, c'est-à-dire que ça se fait tout seul. Et là, vous obtiendrez le double de l'argent après avoir regardé la vidéo. Elle durera 2 heures. Ah, donc ça, c'est pas mal. Vous gagnez le double de ce que vous récupérez en argent en visionnant une publicité. Bon. Après, bon, il n'y a pas de gain spécifique, je vois pas de gain spécifique ou d'échanger vos pièces ou je pense pas. C'est plus un jeu pour le fun. Allez, on va voir une vidéo, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est exactement le même style de vidéo que l'on peut avoir dans les autres applications où il faut regarder des vidéos pour ensuite. Récupérer de l'argent, moi je pense à des applications qui sont pas forcément sérieuses comme Lucky Step ou des applications comme ça. Après, dans cette application Fishtopia, c'est plus un jeu. Alors là, voilà, je valide et grâce à ça, maintenant pendant 2 heures, mes gains vont être doublés. Ah, il y a un cadeau, hop, c'est quoi ce cadeau? Déverrouiller un nouvel étang, ok. Passer au niveau 5, pieuvre niveau 4, et si je vois au. Une publicité, je vais passer coffret cadeau, je vais passer au niveau 5. Donc là, je valide une publicité. Alors, c'est des publicités généralement qui durent 30 secondes à peu près.
Ouais, donc c'est vrai que j'aime bien parler un petit peu des applications, des jeux, faire découvrir d'autres choses. Voilà, ça peut être sympa, ça peut être amusant. Si vous souhaitez vous télécharger ce jeu, Fish to Play, vous le trouvez dans le Play Store tout simplement. Et puis après, ben, il suffit de l'installer sur votre téléphone et puis c'est parti. Bon, c'est pas forcément. Il n'y a pas forcément des applications qui permettent de gagner de l'argent, surtout que celles qui sont vraiment réelles et sérieuses, il n'y en a pas tant que ça. Voilà, on va attendre la fin. Donc là, la publicité durait même plus que 30 secondes. Ok, donc bon, je vais quand même essayer de regrouper. Donc j'ai plus des temps, effectivement. Donc derrière, ça va quand même être un peu plus facile pour valider mes poissons. Je pense qu'après, on peut en augmenter beaucoup des étangs et puis gagner beaucoup plus vite. Hop, hop. Voilà, et j'ai gagné la tortue niveau 6. Bon, j'arrive au niveau 6. Donc voilà, voilà le principe du jeu, Fishtopia. Donc c'est plutôt... C'est plutôt ludique, c'est plutôt sympathique. Hop, je récupère encore des pièces ici. Ici, qu'est-ce que j'ai? La récompense fusionner 20 poissons. Ah bah, je peux le récupérer. Regardez une vidéo aussi, je récupère. Donc là, j'ai effectivement, maintenant, je vais me retrouver avec une grosse cagnotte, 27 000. Vous voyez, et puis ça monte beaucoup plus vite parce que c'est doublé, les gains sont doublés. Après, le temps de traitement là, d'arrivée des poissons est différent. Bon, regardez si... Ouais, c'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est vrai que là, si j'achète des poissons, celui-là c'est un 6, vous voyez, j'en ai acheté un deuxième, pour arriver niveau 3. Il faut 10 secondes hein, pour qu'un poisson se crée. Je vais aller dans la boutique, hop, on va aller fusionner ces poissons. Ok, je déverrouille à nouveau, ah oui, et puis après ils deviennent plus petits pour qu'il y ait la place, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que j'ai pris une fusée. Bon bah ça m'ouvre une publicité. On va voir ce que c'est que cette sorte de fusée. Il doit y avoir des bonus ou des choses comme ça à mon avis. Après moi c'est vrai que quand je joue à un jeu, les publicités c'est pas trop mon truc. Alors j'essaye de les éviter au maximum. Sauf s'il y a un vrai gain derrière. Une incidence, mais j'aime pas trop être coupé forcément de la partie. Bon. Vous voyez, ça dure plus que 30 secondes. Il y a certaines applications, certaines publicités qui durent longtemps. Encore une seconde. Allez, on va pouvoir passer. Et il reste encore à valider la croix. Allez, hop. Voilà. Et on retourne au jeu. Alors, mode fou. x2, niveau de sortie plus 1, vitesse de sortie, il durera 120 secondes. Ok, donc là, ça va s'accélérer, donc ça peut être pas mal. Passer au niveau 5, bon, on va laisser tomber. Hop, j'essaye de valider plus vite. ça s'accélère, c'est pas mal, c'est sympa. Hop, et voilà, et je gagne un niveau 7 méduse. Voilà, c'est toutes les 5 secondes qu'il y a un poisson qui arrive, hein, les amis. Là, ça enchaîne, hein. Et puis en plus il y a de poissons, plus il y a en même temps d'argent, et hop, ça me lance une pub. Ah, dommage. Ah, c'est vrai que là, j'étais plutôt bien parti. J'ai envie de jouer et aller plus vite avec grâce à la vitesse du bonus. Bon, c'est ça, en fait, la fusée, c'est ça, c'est-à-dire que pendant 120 secondes, vous avez toutes les options qui sont décuplées. Les poissons qui se créent deux fois plus vite, et puis ainsi de suite. Bon. Encore 5 secondes. Alors c'est vrai que là, cette application, par contre, elle donne beaucoup de publicité, mais il n'y a pas de gain. Je pense que c'est plus le créateur. Ok, le créateur qui va être content de pouvoir récupérer... des gains avec les publicités. Je vais voir si je peux changer de niveau. Vous voyez, je suis déjà arrivé et puis j'ai 50 000. Ça allait assez vite. Là, je me retrouve avec un poisson. Je ne sais pas comment en faire. Allez, on va valider lui. On va valider comme ça, comme ça. Hop. Hop. Histoire de ne pas me retrouver coincé. Hop.
Ouais, je sais pas si on peut les supprimer. Oh, pff, encore une publicité. Alors, par contre, alors là, ça va être je pense, le défaut de ce jeu. Donc, le jeu, c'est Fishtopia. C'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de publicité. Alors, je vais essayer de voir si on peut pas retirer les gains, s'il n'y a pas quelque chose, un gain quelque part, parce que je pense que les créateurs de l'application, du jeu, quand même. Si je vais à la boutique, j'essaye de voir si. Boîte mystère, c'est gratuit. Ok, bon, il y a des tonnes de poissons, mais il n'y a rien de plus ici. Dans les gains, donc ça, je récupère. Donc, là, c'est bon. Ici, ça, je récupère. Ok. Après, voilà, quand on est arrivé au maximum, il y a encore la fusée. Bon, moi, je ne vais même pas la prendre. Ça va me lancer une publicité. Hop. Et là, je valide et je dévouille un nouvel étang. Donc voilà le principe du jeu. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Faut que je remonte. Hop, je collecte. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup, pas beaucoup d'options. Une fois que. Vous voyez, j'ai quasiment réussi tous les bonus là, de ouvrir 10 coffrets cadeaux. Alors je sais pas si c'est des tâches quotidiennes, ça. Donc tous les jours, il y aura des tâches qui vont s'afficher. Et puis ainsi de suite. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Les paramètres. Politique, luf, rétroaction, voilà. Bon, écoutez, c'était un jeu, une application que je voulais vous faire découvrir comme ça. J'ai téléchargé ça pour voir ce que ça donne. J'avais décidé de le faire en vidéo. Bon, c'est un jeu très sympathique, Fishtopia. Puis il faut regrouper, comme vous pouvez le voir, des poissons qui se génèrent au fur et à mesure. Et puis plus vous avancez, et plus vous gagnez. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.